Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, ça va être une pêche au silure. Donc c'est la première de l'année. On est à 30 jours de l'ouverture officielle de la pêche au carnassier au vif. Donc là ça va être une session, une grande première pour moi. Donc ça va être pêche au foie de volaille, cœur de volaille et ver de terre d'air canadien. Donc voilà, flotteur sous-marin avec ce style de montage. Tac. Donc des montages flotteur sous-marin. Voilà, bah c'est le bordel hein, bien sûr. Flotteur sous-marin, vous verrez le montage tout à l'heure. À la pierre cassante. Donc tout à la pierre cassante dans les courants. Voilà, je suis venu hier à la frontale, j'ai vu quelques silures remonter chasser les hauts-dessus qui sont en train de frayer. Donc on s'est dit pourquoi pas venir poser quelques cassants. Il fait super beau. Comme vous avez vu, je suis pas venu avec mon kayak. Je suis venu avec un petit gadget bien sympathique, ça va être bien drôle. On va essayer ça. Et on se retrouve tout de suite pour les montages. Allez, à toutes. Allez Denis, allez. Avec son petit t-shirt Dance Fishing Cap. Voilà, donc ça va être des montages comme cela. Donc des rattles, un flotteur sous-marin, un trip pour celui-là. Là on a mis un triple voleur, les grappes sur l'âme sont simples, un rattle, un flotteur sous-marin. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise une aiguille à locher du nylon pour faire quelques tours entre eux parce que c'est très fragile comme biarme. Et du coup ça fait que ça tient pas sur l'âme. Je vais prendre une bonne grappe. Sur un pour tenir ensemble. Tac. On va venir y rajouter quelques verres. Il y a des gens qui arrivent, hein. Il y a une voiture qui arrive. On va venir y rajouter quelques verres. Ça donne ça. Une bonne grappe. Allez, à tout, on va mettre à l'eau. Nickel. Oh putain. Bon là les gars, les cams sont en place, donc il n'y a plus qu'à mettre le détecteur. Hop. Tac. On allume, on finit de tendre les cams. Hop, et allez, ça pêche. On va tout pousser un poisson. Ouais, t'es sûr qu'il allait taper dessus. Oh. Je sais pas s'il est gros. Non. De faire 1,30. Foie de volaille, c'est validé, mon gars. Oh, j'ai vu le départ en direct. Ça c'est bon. On voit bien les hauts dans la caméra. Ouais, nickel. Ouais, il est joli.
Ça c'est bon. Oh putain, je suis dans les arbres. Elle est pas go. Ouais, il doit faire un 30, non? Ah oui, non, il est pas go. T'as eu le cassant, mon pote? Ouais. Ouais, il va faire 1,30 un peu plus. Attends, j'ai un snap pour la famille. Il est bien noir, j'ai l'impression. Ouais. Je prépare à la frais, là. Je prépare à la frais. Faut de bon, il s'est validé, mon gars. C'est toujours ce can qui nous sauve. Toi, c'était obligé. Il est parti là-bas en bas, j'étais sûr qu'il allait taper. Minutes après que tu enlèves la GoPro. Ouais. Il est beau quand même. Il est beau. Bon là les gars, il aura fallu 3 petites heures pour faire le premier cellure. Bon, il doit faire je pense 1m40, 1m50. Donc faute volaille validée. Donc première session pour nous faute volaille. On est super content. Bon pas très dedans, on va le remettre à l'eau direct. Voilà. Magnifique poisson et c'est le premier de l'année en plus. Allez, ça repart. Comment on l'éteint, ce bordel? On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Bride, au bride. Oh, on y fait gaffe. C'est bon? Voilà, c'est bon. Je verrai le combat si tu veux, Léo. Ouais, ouais. J'ai tout filmé. Vas-y, tiens le fil. Putain, si, mais il est beau. Oh, si, il est beau. Il est beau. Oh. Bon, voilà, les gars. Laisse-toi un peu, j'ai vu qu'on va voir bien. Ouais, t'inquiète, on voit. Hein. On voit bien là. Ouais, on voit très bien. Le deuxième départ au. Non, le troisième départ au. Au foie de volaille. Donc. Technique, une grande première pour nous et franchement on valide plus parce que c'est le troisième départ, on a décroché un avant et là Léo il vient d'en faire un super beau, il va cartonner sa canne. Allez, on va le remettre à l'eau. Oh les plans que ça fait là, j'essaie de l'éclairer mais... Je l'envoie Léo. Bon là les gars, on va pas tarder à plier, c'est 21h30. Au total on fait 3 départs, on sort 2 poissons, une moyenne d'1m50, on les a pas mesurés. Donc pour nous c'était une grande première pour la pêche au foie de volaille. On est très satisfait et on recommencera malgré l'odeur et la merde pour les mettre en place. Voilà, donc là on va rester encore je pense 10-15 minutes grand max là, et puis après on va plier les cannes et puis on va y aller. Voilà, donc la prochaine vidéo ça sera sûrement la pêche de l'ouverture, donc qui est dans 4 semaines. Entre temps je vais sortir une vidéo sur comment faire ses vifs, comment les garder, comment je procède pour le déplacement des vifs et tout ça, le vivier et tout. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un petit commentaire, quelque chose de positif, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine les gars, ciao !